vous regardez RTL. Nouvelle grosse tête, elle a tout essayé pendant des années. Architecte et femme d'affaires, je vous demande d'accueillir Perry Cochin. Installé à côté de monsieur. Vous êtes bien placé. Mabille. Ah oui, entre les deux plus beaux. Voilà, là, vous êtes chocolat, Mabille. Les deux plus rock. Ah non, mais surtout à côté de Mabille, parce qu'alors vous n'avez pas pris un gramme, cher Perry Cochin. C'est vrai que d'un seul coup, ça tranche entre lui et vous, vous voyez. Il n'a pas beaucoup changé non plus. C'est-à-dire. On ne s'est jamais vu. Non, mais vous moi, je vous confondre, ai vous devez confondre avec Léon Zitrone ou quelqu'un comme ça. Pourquoi? Peut-être. Mais non, mais il a toujours été. Il a toujours été bien gros. Important, on va dire. Oui. Non, mais il a toujours été gros, non? Je sais pas, j'ai pas rêvé. Vous savez, oh, c'est dégueulasse. Je trouve qu'il commence bien. Ah non, mais. Quand on les voit de loin, quand on les voit de loin comme ça, ça fait un peu faux filet. Vous êtes obésophobe? Pas du tout. Ah oui, si, si. Pas du tout. Ah non, je vous assure, pas du tout. Au contraire, je compatis. Mais oh non, mais je sais. Mais non, moi, attendez, j'ai une sœur. Qui est grosse aussi. Oui, voilà. Et donc, je me rends compte des difficultés qu'elle a. Ah oui? Oui, oui, oui. Elle a du mal, par exemple, à faire ses lacets, des trucs comme ça. C'est chiant, je vous assure. D'accord. Ah non, mais c'est pas que ça, parce que Bernard, il fait les zéniths. Ils ont dû renforcer les scènes. D'abord. Qu'est-ce que vous êtes con, mais c'est pas vrai. Non, mais... À Noël, à Pâques, vous êtes toujours aussi con. Bernard, il fait passer lacets, il met des mocassins, vous voyez. Ah, oui. Bah voilà, il a trop... Non, mais non, lacets, bah, il a des lacets. Des j'ai la souplesse, je me l'ai fait lacer. Non, mais s'il est susceptible, dites-le moi. Pas du tout. Ah, ah bon. non, il comprend pas. Pas du tout. Appelez-moi Chantal. Vous êtes contente de retrouver Stevie et Caroline. Eux, vous les connaissez au moins. Je les connais, je les adore. Ce sont mes chouchous. Vous trouvez qu'ils ont changé depuis des années? Pas d'un iota. C'est mais vrai. Toi non plus, t'as pas changé, Perry. Oh. C'est insensé. C'est dingue. Hein. Non, il n'y en a pas. Deux heures de brushing avant de venir, tout va bien. Elle est mignonne. Il faut que je vous explique, monsieur Perroni, que madame Cochin est la plus chic des Parisiennes, voyez-vous. Oh merde, putain. C'est chier. C'est pour ça que je voulais vous la présenter. Vous avez bien fait. Ah oui, oui. Oui. Alors on baise. Aucun problème. Alors là. Alors ça. Ouais. Alors là, vous êtes mal tombé, faut surtout pas lui proposer ça. Et c'est un gros qui vous le demande, c'est pareil. Pareil. Ouais. On changera juste de position, mais. Je suis super bien placé, Laurent. Merci. Ah non, c'est une chaude notre cochon, croyez-moi. Ah non, vous allez pas commencer comme ça. Ah bah si. Franchement, si. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est gênant. C'est quand même ce que vous êtes en train de dire. Caroline, expliquez quand même que c'est vrai. Bah, je suis une très petite joueuse à côté de Perry. Oh. Ah bon, d'accord. Bah, écoutez, bon, bah alors je vais être obligée d'assurer. Elle est quand même pas d'info. Ah non, pas du tout. Oh non. Mais vous êtes des grands malades. Non, ça mais elle est ouverte à tout. Six ans que je suis avec mon fiancé, je n'ai pas bougé une oreille. Oh bah alors, qu'est-ce que vous nous racontez, je regarde un peu à droite à gauche ce qui se passe. Ah, bon. Mais pour mieux après... fiancé, vous n'êtes pas marié. Officiellement, on est censé être mariés. Moi, ça fait 10 ans que je suis marié, j'ai pas bougé une couille. Alors,